Bonjour, je m'appelle Caroline Chénier et je suis copropriétaire de l'entreprise Les Serres Gatineau, située en Outaouais. Nous sommes producteurs de légumes en serre, dont des tomates, concombres, laitues, poivrons, haricots et gingembres. Je ne proviens pas du tout d'une famille d'agriculteurs, même qu'avant j'étais fonctionnaire au gouvernement fédéral. Mais j'avais beaucoup de difficultés à sentir l'impact que j'avais autour de moi. Et je ne pouvais pas croire que c'est ça que je montrais à mes enfants. Donc, mon conjoint et moi avons décidé d'acquérir une entreprise agricole et après presque 3 ans à préparer la relève, on a finalement acquis les Serres Gatineau au mois d'août 2019. Manger, c'est vraiment à la base des besoins de l'être humain. Donc, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable fait définitivement partie de nos objectifs d'entreprise. Ça fait même partie de nos valeurs profondes. Pour nous, c'est très important de cultiver des produits qui sont sans pesticides chimiques, qui sont sains et qui sont frais, qu'on peut vendre à notre clientèle directement dans notre communauté. Et avec les années, on a réussi à créer des beaux partenariats avec différents organismes qui s'occupent de combattre le gaspillage alimentaire. Donc, encore plus de gens peuvent profiter de bons produits frais et sains localement. C'est très valorisant et très, très satisfaisant de faire pousser une toute petite plante qui va produire des fruits et des légumes qui vont nourrir des gens. Et c'est ça que je veux montrer à mes enfants. Au début, quand les résultats ont été dévoilés, j'ai eu de la difficulté à croire que j'avais été sélectionnée. Mais j'ai tout de suite été envahie d'un grand sentiment de fierté de me retrouver aux côtés de toutes ces belles femmes entrepreneurs, dont certaines que j'admire beaucoup. Donc, j'ai un très grand sentiment de fierté. Merci beaucoup.